Tu m'as amené un livre de dessin dont tu es l'auteur. Alors vas-y, présente-le. Tiens, prends-le. Je te tiens ton micro et tu m'expliques. C'est un livre de dessin qui a été fait à la coupole et ce sont les conversations des gens à la coupole. Toujours là, la coupole, le restaurant de Montparnasse. Voilà. Sur les nappes de la coupole. Voilà. Et c'est les conversations des gens que j'ai saisies, de mes amis d'ailleurs, très souvent. Alors montre quelques dessins à la caméra. Alors par exemple, je trouve des choses admirables comme ils m'ont dit c'est la première fois depuis 40 ans que nous mangeons des moules. Et il y avait dans leur soupir un tel regret d'une vie sans moule. Je pense que c'était bon à noter. Voilà, alors ce sont des petits flashs que tu as notés. Vous faites partie de mes plus belles erreurs. Alors, c'est très joli ça. Ouais. Vous faites partie de mes plus belles erreurs. Voilà, alors il y a une caméra qui est en train de se mettre en place. Tu vas le mettre comme ça, le feuilleter. Alors tout ça, et puis aussi la mémoire collective des Français, très courte, des choses comme ça, par exemple. Enfin, peu importe. C'est une série de... Comme ça, ce sont des conversations saisies au vol. Et finalement, on voit, quand on a parcouru le livre, c'est une manière de vivre aussi. C'est une façon de vivre, c'est une attitude dans la vie. Ce sont des choses qui paraissent excellentes, vont passer, et que j'ai trouvé bon de saisir. On dit les écrits restent. Pour une fois, les paroles resteront. Voilà. Bah oui, tu as voulu faire œuvre littéraire. Je te rends ton micro. Tiens, c'est pas littéraire. Ce sont des dessins littéraires, on pourrait dire. C'est dommage qu'on puisse pas les voir. C'est dommage. On n'a pas le temps. On aurait dû parler du Japon, du cinéma. On va écouter ta dernière chanson qui s'appelle Carmel. Voilà. D'accord. D'accord. Alors, on l'écoute ensemble. Carmen Safo, extrait de son nouvel Carmel. Album. Carmel. Pas Carmel, pardon. Extrait de son nouvel album Passion, Passion, c'est Safo. Shame.
On va passer à la chanson tout de suite, hein, avec toi, ça faut. Oui. Hein, tu voulais ajouter quelque chose, non? Non, pas du tout, pas du tout. Bon, alors on passe à la chanson avec ton nouvel album. Ça va m'être difficile d'aller le chercher. Il faut que je me penche. Vous m'excusez. On a des chats aujourd'hui. C'est un petit peu familial comme émission. Voilà. Alors, je prends ton nouvel album. Ça s'appelle Passion. Passion. Hein, il est sorti le 15 octobre. Voilà. Voilà. Il est sorti le 15 octobre. Il y a un aspect passion et un aspect passion dans ce que je fais. Alors, dans les passions, moi j'ai remarqué diverses choses. Quelque chose qui m'a étonné, tiens, on peut tout de suite dire, voilà, je le présente ici bien à la caméra sans le faire briller. On peut tout de suite dire quelque chose d'important. Je ne sais pas si ça fait partie des passions, quelque chose de vraiment étonnant. Tu as repris une chanson d'Oum Kalsoum. Ah oui, ça fait partie de mes passions. Avec ton micro. Ça fait partie tout à fait de mes passions. Ouais. C'est-à-dire que Oum Kalsoum est une chanteuse que je trouve, je crois, une des plus grandes. C'est incontesté d'ailleurs. Ouais. Et j'ai voulu lui rendre hommage, et c'est une façon peut-être d'ouvrir une porte de l'Occident à l'Orient, plutôt de l'Orient à l'Occident. Ouais. Essayer que des oreilles occidentales tout à coup s'intéressent à cette musique que je trouve superbe, et en faisant des arrangements qui sont occidentaux, j'essaie de faire que les gens soient curieux de cette musique et qu'ils la rencontrent. Alors c'est pas facile, vous connaissez tous sur le plateau Oum Kalsoum, c'est pas facile parce que ce sont des mélopées très lentes, c'est des chansons très longues. Alors quand on fait un disque, il y a le chef du produit qui arrive, qui dit mais attention, les chansons ne doivent pas faire plus de 5 minutes. Non, moi j'ai eu une chance inouïe, c'est qu'on m'a foutu complètement la paix sur mon disque. Voilà. Et que je fais en gros ce que je veux. Et, j'ai une maison de disques que j'aime beaucoup, qui est Celluloïd, qui respecte tout ce que je fais et qui m'embête pas. Donc j'ai voulu faire ça, puis j'ai évidemment fait un condensé. J'aurais pas pu faire une chanson entière d'Oum Kalsoum qui dure 3/4 d'heure, de toute façon j'ai fait 6 minutes. Alors tu as toujours eu l'habitude d'aborder différents genres musicaux. Par exemple, je le vois là, une chanson qui s'appelle Piscine, musique Eric Satie. Oui, j'ai osé. Oui. Non, mais voilà, j'adorais cette gnossienne de Satie, et puis elle m'évoquait quelque chose d'aquatique, et j'ai eu envie de faire une chanson avec cette musique superbe. Alors, je crois que quand on a envie de faire les choses, il faut oser, même si c'est un peu audacieux. Oui, tu es ouverte à tous les horizons musicaux. Oui, toutes les musiques m'intéressent, puisque elles sont belles. Voilà. Alors, la première chanson qu'on écoute, c'est Méthylène. Voilà. Hein, c'est quel genre, dis-le en 2 secondes? Oh, Méthylène, c'est aussi une synthèse de mes deux cultures, Orient et Occident, un peu comme ça. Voilà. Et c'est l'histoire d'une dame qui prend des choses pas très nettes pour elle, pour sa santé. Alors, je lui parle. Voilà, tu lui expliques. Hein, voilà. Cette brave dame. Ok. Eh bien, on l'écoute ensemble. Méthylène, Sapho, c'est extrait de son nouveau 33 tours qui s'appelle Passion, Passons. Méthylène, Sapho. Belladonna,
Mathilde Haen, Sappho, extrait du dernier album Passion, Passion. J'ai un mot à te dire sur ton album que j'ai écouté, hein, avant que de t'inviter. J'ai trouvé que c'était une musique plus abordable. Peut-être tu as pas fait un effort de ce côté. C'est plus dansant. Tu crois pas que ça risque de passer mieux en radio? J'ai fait un léger effort. C'est vrai, hein. Oui. Bon, ben c'est encore un effort. J'ai eu un très excellent producteur, c'est-à-dire quelqu'un qui s'appelle Peter Murray, qui a fait un travail de production, qui fait que de réalisation, que le disque a ce son total qu'on a entendu, qui a une unité de son, que c'est plus efficace. C'est quelqu'un qui est fantastique. J'ai une bonne équipe autour de moi cette fois-ci. Voilà. Et ben c'est bien. Alors on écoutera encore un titre tout à l'heure. On écoutera la face A, c'est Carmel. Hein, le titre qu'on devrait entendre. Je voudrais faire un rapide sondage parmi nos invités. Vous êtes plutôt chat ou plutôt chien? Sappho, tiens, puisque tu parlais. Tu es plutôt chat ou plutôt chien? Je suis très distante par rapport aux animaux. Oui. Et je fais attention. Non, j'aime les chats, je les trouve superbes, on ne peut pas ne pas les aimer. Ouais. Mais c'est vrai que ce sont des gens que j'ai besoin d'aborder comme eux abordent d'ailleurs les gens, c'est-à-dire très lentement et en prenant le temps de le faire. Ce sont des gens qui ils me font un peu peur au départ. Ouais, non, mais les chats, c'est très indépendant. Hein. Oui. Oui, on peut constater que c'est indépendant. Avec un rythme un peu lent comme ça. Mais ce sont des gens très beaux.